sur Rungis cette fois-ci le palais. Et on est revenu en carré, hein, chez les Rungis, le 1-2-1, on l'a abandonné assez rapidement, j'ai l'impression. Attention, ça peut être une bonne action, ça pourrait Épernay. Et c'est le premier but de Épernay. Va falloir se parler. Ça prend un peu la pression. Attention à pas le regarder, hein, faut vraiment. Oh, ah, dommage, ça aurait pu être concluant. Ça fait quelques erreurs là quand même. Oh, la frappe. Bloqué par le gars. Non, c'est but. C'est but, c'est but. C'est dedans, malheureusement, il a pas réussi à là. De la part des Phoenix qui vont revenir recoller au score. Ok, ça va être récupéré pour. Lissé Rangiste, il est tout seul contre le gardien, et c'est le but de l'assistant de Lissé Rangiste, numéro 14. On a vu son pote à l'opposé. Ça fait le tour du but pour surprendre. Ah, dommage, hein, ça dommage, vient été défendu par le numéro 18. Et par contre, la contre-attaque en 2 contre 2. Ah, il est passé. Et c'est but. Oh là là. Et de Lissé Rangiste, le numéro 40, assisté du numéro 18. Ah, le jeu est beau, hein, il a fait sa ramasse. Il a pas voulu aller trop loin. Venir chercher ces 3 points sur cette rencontre. Alors, on vient chercher la passe, voilà, ça c'est bien. On trouve des joueurs, frappe. Ça a été bloqué par le gardien, attention, et c'est le but. Le but sur le rebond, le gardien qui n'a pas su garder le palais. Peut-être profiter de ce palais pour faire quelque chose. Est-ce que ça va réussir à sortir? Il va bientôt rester 3 minutes de jeu. La c'est intercepté, cross perdu pour un joueur très vite récupéré. Et Belle passe. Cody William. Ça, du numéro 77. Ça va relancer le match. Égalité. Ah, là, est-ce qu'une équipe va sortir du lot? Il y aura une pression sur les 3 joueurs qui sont sur le. Enfin, sur les 4, hein, en comptant le gardien, sur les 4 joueurs qui sont sur le terrain. La pression est. Allez, c'est le but, directement. Du numéro 36. Et ouais, et 36, hein. Et la pression n'aura pas duré longtemps.